Dans ma chambre, chez les parents, j'ai affiché cette phrase de Claudel, soigneusement recopiée sur une grande feuille, au bord brûlé avec un briquet comme un pacte satanique. Oui, je crois que je ne suis pas venue au monde pour rien, et qu'il y avait en moi quelque chose dont le monde ne pouvait se passer. On n'était pas heureux ici. Tu es heureuse, toi ? On vient pas nous voir. Alors c'est seulement ta mère à toi, ton enfant. Tu n'as jamais voulu de moi ici. Ah, ça y est, ça recommence. Tu étais jalouse. Ah ! Maman, maman ! Où tu es ? Alors tu existes ? Yes ! Quelle dame ? La dame qui est venue, elle m'a touché là et elle m'a dit qu'il y en avait qu'une. Qu'est-ce qu'il y a au juste qui ne va pas ? C'est épouvantable ! Alors ? Alors, Hélène, je vous en supplie. Vous me voyez là, pressée contre vous, comme si je vous suppliais de m'aimer. Cher Andromaque, tout cela n'est pas si simple. Je ne passe point mes nuits, je l'avoue, à réfléchir sur le sort des humains. Mais il m'a toujours semblé qu'ils se partageaient en deux sorts. J'ai même composé des vers pour moi, vois-tu? Et j'ai eu les plus jolies fleurs. Tais-toi! Toi! Je me souviens de ces mots. Les esprits d'or. De l'or. Tu les prenais au sérieux? Je montais. Chaque année, j'avançais d'une étape. Et moi, j'étais rayée de ta vie. C'est toi qui es coupable. Tu as tué en moi toute joie humaine. La joie me laisse à peine respirer. Tant pis pour les convenances. J'arrive en courant car je t'apporte un grand bonheur. Et raisonne, ma pauvre amie. Et te ris de notre malheur. Regardez mes amis, les deux sœurs qui ont sauvé la maison de leur père. Leurs ennemis prospéraient. Mais à elles deux, au péril de leur vie, elles ont vengé le mort. Va-t'en, puisque tu ne peux m'être utile à rien. Je le pouvais peut-être. Mais tu ne veux pas entendre raison, c'est plus fort que toi. Va. Va trouver ta mère et raconte-lui tout. Je n'écris pas parce que tu es morte. Tu es morte pour que j'écrive. C'est ça la différence.